tout le monde, c'est Axe. J'espère que vous allez bien. On est de retour sur Impact Winter. Comme je l'avais dit, j'ai placé le campement au pied de l'hôpital, histoire de pouvoir alimenter plus rapidement la base et m'éviter de nombreux allers-retours. J'ai déjà récupéré sur la route, je suis tombé sur un dépôt d'essence, un dépôt de gasoil, etc. Donc du coup, un dépôt de carburant. J'ai déjà récupéré quelques bidons d'essence que j'ai envoyé par Acolyte à l'église. Ça permettra d'alimenter la chaudière. Quand je suis parti, il y avait 33 heures. C'était il y a 7 heures. C'est une journée de carburant pour le moment. Ça va être plutôt bien. On va économiser énormément de temps et de déplacement comme ça. Et on va pouvoir vraiment piller tout ce qu'on veut. Alors. On ressort quand même, ok. Bon, on pourra pas voir ce qu'il y a dans cet extincteur. Alors, on va vérifier quand même. On a bien tout récupéré. Ici, oui. Du coup, on va pas se gêner, hein. On va vraiment piller de fond en comble. Alors, on était venu par là, je crois. On va récupérer tout ce qui peut être bon en consommable. Les petits boulons, bien sûr. Tube flexible. Il me semble que ça peut servir pour des petits travaux. Ok, il n'y a rien d'autre là. Alors, dans le bureau. Premier meuble. Tasse. Voilà, tout ça. Ok. Si on déplace quelque chose... Ça passera pas quand même. On va essayer de blinder au maximum. Antiseptique, voilà. On est plein. Je vais peut-être pas vous faire endurer mes allers-retours. Mais vous avez compris le concept. Alors, il n'y a pas de graines dans le pot de fleurs. Vous avez compris le concept. Ce que je vais faire, c'est que... Là, on avait déjà visité cet étage. Je vais continuer de piller. Alors, qu'est-ce qu'il a, notre ami Jacob? Il a peut-être soif, tout simplement. Alors, dans son inventaire... Une petite pilule comme ça, là, on va déjà prendre ça. Voilà, on va récupérer un peu d'énergie. On va essayer de trouver de l'eau. Alors. Il me semble qu'il y avait des distributeurs. On n'avait peut-être pas tout pris, si. Oh, le vilain. Ok. On va récupérer le crochet. Toujours servir. Un bonbon, il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Donc voilà, donc comme je disais, vous avez compris le concept. Je vais vider l'étage. On l'a visité ensemble dans le dernier épisode. Donc je vais faire ça, je vais essayer de me trouver un petit peu d'eau aussi. Envoyer tout ça à la base. Et ensuite, on reviendra ici pour accéder aux étages. Allez, c'est parti, je vous retrouve après. Ok, petit contretemps les amis, vous voyez, j'ai dû ramener Acolyte à l'église simplement parce qu'il était complètement déchargé. Et que moi, je suis complètement épuisé aussi. Alors, je vais déjà essayer de déposer. Sur la route, j'ai trouvé du gros sel au niveau du point, la station électrique. Donc, je vais pouvoir les poser. Ça, on va poser. Les crochets, on va en garder. J'ai une couverture polaire ici. Et la bouteille d'eau, je vais la garder avec moi. Hop. Ok. Par
montre. Je mange quelque chose. Chips de banane. On va manger. Désolé, mais de toute façon... Alors, comprimé énergétique... Poivre noir. On va plutôt le garder pour préparer d'autres repas. Du gros sel, ouais, mais... Alors... Oh là, il n'y a plus rien. Si. Désolé pour toi. Il va vraiment falloir trouver de la nourriture très vite. Très très vite. Alors, j'ai pas pris. Ok. Alors, il est où le bœuf chez... Le bœuf. Hop, mangez, s'il vous plaît. Ok. Je vais aller me reposer, récupérer un peu d'énergie. Ok. Bon, j'ai récupéré de l'énergie. Maintenant, on va avoir un petit peu faim. Je pense qu'on va aller faire un tour. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut mettre? Bidon d'essence. Voilà, super. 35 heures, on est tranquille. Alors, petite nouveauté aussi, enfin petite nouveauté, qui ne marchait pas quand j'étais avec le clavier, mais du coup maintenant ça marche avec la souris. Alors, le détecteur, non, il n'est toujours pas creusé, ok, bon, c'est pas grave. En tout cas ça marchait, ah, regardez, on a une cache ici, la croix rouge, on va se mettre au-dessus. On va demander à l'écho de forer la cache. Voilà, la foreuse niveau 1 fonctionne. Ce que je cherchais jusque là. Oh, regardez tout ce qu'on trouve. Génial. On va tout récupérer. Le nomade est là. Du coup, il y a plein de petites caches comme ça. On va faire un petit coup de scan, voir si Colite nous trouve quelque chose. On va lui donner tout de suite. Alors... Il nous faut une charge explosive. Regardez ici, des eaux en poudre. On a de l'eau. Pour tout le monde. En explorant juste un petit peu autour de nous, vous voyez qu'on peut trouver des choses. Et rien que pour ça, la manette est quand même bien plus pratique. Souvenez-vous, au clavier, je galérais comme tout. Bon, par contre, ça consomme énormément d'énergie à Acolyte. Mais bon, tant qu'on reste autour de l'église. Regardez, génial. Allez. Tu me ferais ça, s'il te plaît, mon ami. Super. Pas grand chose, j'aurais aimé trouver
des billets. J'aurais aimé trouver à manger. On va déjà aller déposer ça. En tout cas, voilà. Petite fonctionnalité de d'Acolyte à côté de laquelle j'étais passé. Je suis bien content maintenant de y avoir accès. Ok. Par contre, il va nous falloir très rapidement de la nourriture. Est-ce que... Elle est où, mamie ? Alors, Nelson Time, tous les matins, si t'en trouves un autre, n'hésite pas à le ramener. Ok. Pas de soucis. Par contre, bricolage. On peut faire des œufs brouillés, magnifique. Allez, dépêche-toi. Tout le monde a faim. Une fois qu'elle a fini. Ok, elle va avoir fini. On va récupérer nos œufs brouillés. Est-ce que tu peux faire d'autres choses? J'en demande beaucoup, mais on sait jamais. Non. Bon. Alors. On va déjà aller se prendre une portion pour nous. Je suis désolé, mais... Nourriture. On a besoin. Et ensuite, on va en distribuer à ceux qui en ont le plus besoin. Lui. Et lui. Ok. Et je suis désolé. Mais je vais manger la dernière. Enfin, je vais l'emmener avec moi. Ok, qu'est-ce qui nous a volé? Panneau indicateur. Bon sang. On va aller récupérer ce qu'il y a dans la cache. Voir un petit peu plus loin. S'il y en a une autre. Alors ici, qu'est-ce qu'il avait lui déjà? Affaire de l'homme, ok. Acolyte nous a rien trouvé. Ah, ils se disputent. Ça commence. On peut pas l'emmener, ça on peut l'emmener. Ça, si on le déplace. Et on a un exemplaire du journal. Ça va faire plaisir à
à Madame Wendy. Ça va être bien pour la chaudière. Là, elle en est où la chaudière? 29h. Papa. On va redéposer ça. Régler le conflit, la dispute qui est en cours. Et on poursuivra du coup dans le prochain épisode. Alors. Voilà. Elle est contente. Il a peut-être envie d'une boisson. Et aussi. Une petite bouteille, un soda. Elle va profiter d'une grande bouteille et on va lui mettre le gin. Un ancien. Alors, on peut toujours rien faire. Ok. Ici, bricolage. Il nous faut du carrelage. Ah, on peut faire une porte. Prépare-moi une porte, l'ami. Toi. Passoire. Câble USB. Ça serait quand même bien qu'on augmente notre capacité. Antenne de campement. Peu importe la distance. Débloque la radio de campement. Tu me prépareras ça dès que possible. Ok. On est où? On est un peu fatigué quand même. 20 jours avant le sauvetage. Alors. Parler à Maggie. Qu'est-ce qu'elle a? Je suis fatigué. Qu'est-ce que je devrais faire? Ouais. C'est bien ce plan parce que du coup, il y a l'hôpital, on voit où il est. Il y a le bridge, le Nelson Power, ça peut être pas mal par là-bas pour trouver des câbles USB pour alimenter Acolyte. Il y a l'aéroport tout au nord. Et au nord-est, le pénitencier. Plus les zones d'habitation. Ah non, c'est Bisonol Gasoline. Ok. Donc les points de ressources. C'est bien d'avoir ajouté cette petite carte. Alors elle y était peut-être depuis le début, je la découvre maintenant. Allez. Et on va se laisser là pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On a fait un petit peu d'explo, on a appris à gérer un peu plus Acolyte. L'énergie est faible, je vais aller dormir aussi. Et on va continuer notre exploration dans le prochain épisode. Je vous remercie à tous d'avoir regardé jusque là. Si jamais ça vous a plu, vous savez quoi faire. Les abonnements, les pouces bleus. N'hésitez pas à jeter un œil aux autres séries en cours. Et moi je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain épisode d'Impact Winter. Des bisous, bye bye.